Salut à tous les amis, c'est NonoLife. On se retrouve aujourd'hui pour le test du fameux Infamous Second Son sur PS4. Donc, je vais vous faire comme d'habitude une petite présentation habituelle hein, pour le jeu. C'est un jeu d'action édité par Sony, développé par Sucker Punch. C'est sorti le 21 mars 2014 sur PS4. C'est un jeu d'action déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il y a un peu de violence, mais ça va, il n'y a pas non plus... Hein, des têtes qui se tranchent et quoi que ce soit. Donc je vais vite vous présenter le jeu dans les détails. On va essayer je vais essayer de vous montrer le plus grand nombre de choses sans vous faire un test trop long. J'ai fait le test après avoir fini le jeu au moins une fois. Je l'ai fait en karma positif pour ceux qui connaissent la série. Et là je suis en train de le faire en karma négatif, en difficulté maximale pour bien sûr finir le jeu à 100%. Pour parler du scénario très rapidement, on est un jeune homme dénommé Delsin Rowe. On est un jeune homme tout simple, un petit brigand qui va faire des tags un peu de partout. C'est pour ça qu'il est recherché par la police pour des petits méfaits sans grande importance. Et il va se retrouver en plein milieu d'une guerre entre porteurs et la brigade anti-porteurs, le DUP, contrôlée par Augustine, une rouquine pas très belle mais bon. Voilà, c'est la méchante du jeu. Pour parler du gameplay, c'est un gameplay tout nouveau. Comparé aux deux premiers épisodes où on contrôlait Cole, la grâce, qui avait le pouvoir de la foudre. Là vous voyez que j'ai un tout nouveau pouvoir. C'est pas le pouvoir de base du jeu. Le pouvoir de base du jeu, c'est le pouvoir de la fumée. Fumée, feu, un peu mélangé. Et c'est la grande particularité de ce Infamous, c'est qu'on peut contrôler plusieurs pouvoirs. Ça c'est très très bien, c'est une bonne originalité, ça change de gameplay à chaque pouvoir qu'on va posséder. Donc là c'est le pouvoir du néon que je possède, il y en a 4 en tout à posséder dans le jeu. Le pouvoir de la fumée qu'on débloque au début, celui-là c'est le deuxième, c'est le pouvoir du néon. Le troisième, qu'est-ce que c'est Ah oui, c'est le pouvoir vidéo, c'est le guide qui nous file. Et le dernier, c'est le pouvoir du béton qui sera donné par la grande méchante à la fin. Donc ce pouvoir, on l'obtient vraiment à la toute fin du jeu. Et on peut vraiment explorer la ville avec ce pouvoir après avoir fini. Donc voilà, là vous voyez que le jeu de fluidité phénoménale. Je le trouve extrêmement joli pour un jeu à monde ouvert comme ça. Voilà. Là vous voyez qu'il y a toujours des petites quêtes annexes à faire de par-ci par-là dans la map. Oui, pour les graphismes, franchement il est extrêmement joli. Hein, moi j'ai été impressionné par la beauté du jeu et par la fluidité du jeu malgré la beauté. J'ai essayé de monter sur un bâtiment pour vous montrer. Une profondeur de champ incroyable pour un jeu comme je le disais à monde ouvert, c'est vraiment waouh, ça claque quand même pas mal. Voilà, c'est un pouvoir super intéressant. On peut croire sur les mains, c'est la classe. Regardez la qualité graphique, rien que le sol, il est magnifique. La profondeur de champ est vraiment impressionnante. Les effets de lumière sont sublimes. Le jeu, franchement, est d'une beauté waouh. On voit la puissance de la PS4, et encore c'est que le début, donc on peut se dire que voilà, ils en sont qu'au début de la next gen, et on s'attend vraiment à des choses vraiment incroyables. Pour parler du level design, très rapidement, je trouve que tous les personnages ont un certain charisme. Le personnage principal de Sinro a une forte personnalité, moi j'aime beaucoup. Ça change vraiment de Cole Malgrass qui lui, on l'a suivi pendant deux épisodes, mais lui, Delsin Rowe, c'est une sorte de bad boy avec des répliques assez clinquantes, assez humoristiques parfois. On a des doublages français, très bons d'ailleurs, surtout pour le personnage principal. On peut bien sûr remettre le jeu en anglais, moi je l'ai fait une première fois en anglais, avec des doublages anglais toujours de très bonne qualité, et là je le refais en français. Pour voir ce que ça donne, et c'est très très bon.
Je vais vous montrer un petit peu le menu, comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors voilà, là c'est la taille de la map. Donc là, je viens juste d'arriver sur la deuxième partie de l'île, de la ville. Donc j'étais là au début, voilà. Donc la première zone est torchée à fond, hein. Je vais vous expliquer tous ces petits trucs en détail, les activités qu'il y a à faire. Je vais essayer de déverrouiller une zone, mais ouais, j'aurais dû le faire avant le test, ça aurait été plus simple. Donc voilà, là c'était la première zone. Et la deuxième zone se débloque très très rapidement en avançant dans les quêtes principales, qui sont des quêtes principales qui durent entre une quinzaine et une vingtaine de minutes, donc ça coupe vraiment pas dans l'action du jeu, c'est très très intéressant. C'est fait par quartier, comme dans les deux premiers épisodes. Et il y a vraiment quand même pas mal de choses à faire pour un jeu de ce type-là. Même si c'est un monde ouvert et que ça va pas se concurrencer un GTA V qui lui est vraiment axé sur le réalisme, lui c'est vraiment l'exploration, on peut grimper sur les buildings sans trop de difficultés, c'est vraiment très très intéressant. Donc la deuxième page, on voit où on en est dans notre niveau de karma. Les vêtements c'est tout nouveau, ça sert pas à grand chose, c'est pour déverrouiller. Dès qu'on finit une zone, un quartier, en vidant entièrement le quartier des ennemis, on débloque une tenue, enfin c'est juste un logo derrière la veste hein, de Delsin. C'est pas très 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 utile mais c'est assez joli. Et derrière les vêtements on a les contacts connus qui sont de gauche à droite, Hawk qui nous donne notre premier pouvoir. Au tout début du jeu, au milieu c'est notre frère, je sais plus comment il s'appelle, c'est Ribervite, qui est assez stylé d'ailleurs je trouve ce pouvoir. Voilà, après au fil de la mesure on a Betty aussi qui est notre tante, la graffeuse essaye de nous punir au début parce qu'on fait des bêtises. On a aussi le dernier personnage qui nous file notre pouvoir, qui nous file le dernier pouvoir, c'est le geek, je sais plus son nom aussi. Et ce pouvoir il est assez stylé aussi mais je trouve qu'il est beaucoup trop lent à taper. C'est un personnage d'attaque lourde. Il est très utile aussi, comme chaque pouvoir. Lui, par exemple, là, si vous voulez, je peux prendre la fumée, je peux changer intégralement, instantanément de pouvoir. Donc là, je vais pouvoir utiliser les tuyaux pour me déplacer plus rapidement, bouger comme ça. Pour la télé, pour les néons, bah, c'est la course, hein, ça va très très vite, pas besoin d'objets comme ça. Et le dernier pouvoir qui est la vidéo nous permet de nous déplacer d'antenne satellite à antenne satellite et ça c'est super stylé, ça nous fait décoller à des kilomètres à la ronde. Bon, du coup on peut traverser la ville très très rapidement et les pouvoirs sont vraiment très 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 jolis. Comme d'habitude on a des attaques spéciales pour les pouvoirs que vous voyez en haut à gauche là chez la tête de mort, c'est mon attaque spéciale qui est identique côté gentil, négatif et positif, mais ça change au niveau du skin, je vais vous le montrer. Très facilement atteignable, on l'obtient très facilement, donc voilà, je peux bouger dans ma chute. Bon, je vais tuer personne, je pense, là, juste des petits civils. Mais là, c'est la première attaque, elle est déjà assez impressionnante et extrêmement stylée, voilà, vous voyez. J'ai tué 6 civils et j'ai fait une chaîne de karma qui déverrouille un trophée au début du jeu. Voilà, donc ça, ce sont les ennemis, le DUP, je vais vous montrer, hop. Ah, j'aurais pas dû. Hop. Petit missile, voilà. J'ai tué tout d'un coup. Ah, assez sympa. Voilà, donc la fumée est magnifique dans ce jeu. C'est un élément principal du jeu, ouais. Mais la fumée est magnifique. Sincèrement, je suis bluffé par les graphismes de ce jeu. Il y a une fluidité sans faille. Le skin du personnage, ah oui, alors vous vous souvenez qu'on pouvait changer de skin en fonction de la difficulté du jeu. De la difficulté du karma dont on possédait. Là, je suis méchant, donc les couleurs des couleurs des vêtements de Delsin ont changé. Il a une couleur, un visage un peu plus sombre, avec un peu plus de cernes. Mais c'est au niveau de la couleur des vêtements que ça change vraiment. Quand on est gentil, c'est beaucoup plus clair, c'est couleur orientée bleue, comme le karma bénéfique. Et là, c'est vraiment avec le sweat rouge et le bonnet rouge, qui indique qu'on est clairement dans un karma négatif. Donc, au niveau des activités secondaires. Je vais essayer de vous faire une mission aussi à la fin de la vidéo pour vous montrer comment c'est. Les missions secondaires, on a déjà ça. C'est ce qui nous permet de déverrouiller intégralement les missions d'une zone,
qui ensuite nous permettront de réduire le pourcentage indiqué à droite de la zone, de la présence de l'ennemi. Donc en premier lieu, il faut toujours faire ça pour pouvoir dévoiler toutes les activités sur la carte. Sachant que les tags sont automatiquement faisables sans avoir à faire cette zone-là, qui est protégée par des caméras, par pas mal d'ennemis, qui est plus ou moins chiante en fonction des pouvoirs qu'on va utiliser, en fonction de la difficulté, même si le jeu en lui-même n'est pas très difficile. Donc je vais essayer de vous montrer les tags au moins, parce que les autres activités, il faut que je fasse la zone et ça prend un peu de temps, surtout en difficile, vu que les ennemis touchent pas mal, même si notre régénération est beaucoup plus rapide en difficulté supérieure. Les tags sont assez jolis, même si c'est anecdotique. Moi, j'imaginerais jamais un tagger faire ça. Surtout que c'est pas un vrai tagger pour moi, lui, il le fait avec des pochoirs. Voilà, mais bon, c'est pour faciliter le jeu, parce que la manette, c'est original, on va pouvoir la mettre à la verticale. Et du coup, on va pouvoir taguer avec notre manette. Comme si on avait une bombe de tag dans les mains. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, il est tout en haut, j'imagine. Ça, c'est ce pouvoir, il est énorme. On peut grimper sans aucune difficulté, c'est la classe. Voilà. Donc voilà. Donc on a deux types de tags. Tag karma bénéfique à droite et tag karma négatif à gauche. Donc je vais vous faire celui qui est à gauche. Donc voilà, ça me dit de pencher la manette et de la secouer. C'est assez sympa. Ça sonne un petit peu dans la manette aussi avec le haut-parleur intégré à la manette de la PS4. Là, on voit un petit truc derrière qui vole, je vous dirai ce que c'est. Ce sont les nouveaux fragments d'Infamous qui se trimballent en drone. Il suffit juste de les détruire. Et pour les voir apparaître sur la carte, parce qu'on les verra, et ce jeu est facilement faisable à 100%, hein, il faut, comme je vous disais, détruire le centre de contrôle du DUP, qui nous permet de pouvoir dévoiler toutes les activités sur la carte. Et après, on pourra avoir tous les fragments, on pourra les récupérer très facilement. Et ah oui, je vous ai pas montré l'onglet des pouvoirs, qui est très, très intéressant, mais il y a un petit point négatif là-dessus par rapport à ça. C'est que les pouvoirs, on les obtient tous les différents pouvoirs, pas les types de pouvoirs comme la fumée, le néon ou le béton par exemple, mais les pouvoirs, les différentes attaques d'un pouvoir, on les obtient très rapidement. Très stylé celui-là, j'aime bien. Je vais vous montrer ça. Alors, c'était ici, voilà. Alors, ça se passe comme ça. Donc là, c'est notre nœud de pouvoir, on est ici, hein. Et au début, on a cela. Voilà, donc là, on a là la fumée avec les pouvoirs bénéfiques, karma négatif, avec le nombre de fragments en bas à droite qui nous permettent de voir combien il nous en reste. Là, c'est la mêlée qu'on déverrouille pareil. Et là, c'est les pouvoirs qu'on dé... le deuxième pouvoir, le néon. Donc voilà, ça se passe comme ça, et le nombre de points qu'on peut attribuer à un pouvoir dépend de notre karma. Donc plus notre karma est élevé, plus on va pouvoir attribuer de points dans un pouvoir comme celui-là, par exemple, rayon phosphore. On peut mettre 2 barres maximum quand on est karma niveau 4, et niveau 5, on peut tout mettre, quoi, carrément. Donc voilà, donc là, tout ce qui est grisé, c'est les pouvoirs du karma bénéfique. Et puis voilà, après il y aura le pouvoir en dessous, le pouvoir vidéo. Et en dernier, le pouvoir béton qui est le dernier pouvoir qu'on obtient, qui est très 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 puissant. Voilà, donc voilà, tous les pouvoirs on les déverrouille très rapidement. Dès qu'on obtient un nouveau pouvoir, on va déverrouiller les nouvelles attaques en sorte de petites missions en récoltant des noix et des noyaux d'énergie qui seront. Tu peux pas me... Ouh, je galère pour tuer. Voilà. Qui seront éparpillés un peu sur la carte et qui seront indiqués en zone de mission. Attaque magnifique. Attaque pluie de comète, ça s'appelle. Très stylé aussi, toujours. Voilà, on absorbe les fragments pour les récolter. Toujours pareil. Qui est absorbé avec le pavé tactile aussi, très intuitif. Bon, pas beaucoup utilisé dans celui-là. Sauf pour absorber les sources d'énergie pour recharger nos pouvoirs. Voilà, vous voyez sur la carte en bas à droite, il y a plusieurs activités annexes à faire. C'est des petits trucs comme j'ai fait tout à l'heure, attaquer des publicitaires, tuer des membres de gang, qui a tué la police aussi. Ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est pour le karma bénéfique, c'est arrêter des trafiquants de drogue, soigner des civils blessés au sol. Il y avait quoi aussi? Ouais, c'est les seuls là, apparemment pour les gentils, ouais. Et là, il y a plus de choses en karma négatif. Et j'aime bien ce pouvoir parce que quand on les tue. Ah bah vas-y. Oh! Oh bah je l'ai fait jeter. Ouh, c'est joli ça.
J'ai une onde de choc assez importante avec ce pouvoir. Voilà, donc là je suis quasiment mort. Parce que je suis un expert. Voilà, ça fait une chaîne d'explosion, c'est assez joli. Ce pouvoir est super stylé, les néons sont vraiment. Waouh! Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été bluffé. Bon, petit point négatif que je pourrais reprocher à ce jeu, c'est qu'on peut toujours pas aller dans les bâtiments. Oh non, on me dit pas que j'ai la manette qui est morte. Ah bah si, c'est possible. J'ai la manette qui est morte. Bon, je vais essayer de faire au plus vite, de changer la manette. Oh, cette galère. Oh là 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 là. Fallait que ça m'arrive en vidéo. Quelle misère. Ah, désolé pour ce petit contretemps, mais je vais pas couper la vidéo pour ça. Je vais essayer de changer au plus vite. Vite, vite, vite. Alors, oui, bah vas-y, déconnecte-toi. C'est parfait. Voilà. Désolé, mes chers abonnés. Hop. C'est tout bon. Une affaire de 2 secondes. Hop là. La joie d'une deuxième manette rechargée à fond. Voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? Alors, vous voyez aussi sur la carte, il y a différentes couleurs. Violet, il y a du marron. Après, plus tard, on a du bleu. Et en dernier, le béton qui se récolte sur les ennemis. Ce sont les sources d'énergie apparentes au jeu. Voilà, à chaque pouvoir. Là, on les voit. On les absorbe instantanément. Et si on peut améliorer la vitesse d'absorption avec les fragments qu'on dans l'arbre des pouvoirs. Oh, il m'a pas vu. Voilà, exécution de l'ennemi. Les exécutions toujours aussi jolies. On voit les points faibles de l'ennemi. Oh, ben vas-y. Tu vas pas me mettre tes points faibles. Hop là, voilà. Pulvérisé, c'est assez joli. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le scénario, bah, je vous en ai parlé. Le gameplay aussi, c'est très fluide. Même si je trouve que Delsin est beaucoup plus lent que Cole McGrath, qui était dans les premiers et deuxièmes épisodes. Et du coup, voilà, il y a des hélicoptères qui sont assez chiants. On va essayer de pas mourir. Ce serait ballot. J'aimerais vous faire une mission avant de quitter. Vas-y, tire tes missiles. Voilà. Hop. Explosion assez jolie aussi, hein, quand même. Ah, j'y vais plus. Voilà. Même si les hélicoptères sont un peu à chier. Voilà, alors ça, vous voyez, ce sont des zones. Des zones contrôlées par le DUP. Et le noyau est là-bas. Donc, je vais essayer de vous le faire assez vite. Mais vu que je suis un expert, ça va pas être évident. Parce que malgré le fait que le jeu soit plus simple que les deux premiers, les ennemis nous touchent assez fort. Voilà, il y a plein de visées qui arrivent. Oh là 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 là, cette galère. On va prendre la fumée, on va voir. Au-dessus de la barre en bas à gauche, vous voyez, c'est le nombre de missiles, c'est les attaques lourdes. J'en ai tué un, c'est génial. Oh mon Dieu! Il y en a de partout! Ah putain. Désolé, je suis un peu concentré. Voilà, il touche de très très loin en plus ses ennemis et on est obligé de fuir très souvent, surtout en difficulté supérieure. Voilà, les couleurs des pouvoirs aussi changent en fonction du karma de Delsin. Là par exemple, le pouvoir de fumée est beaucoup plus rouge. Il est vraiment rouge écarlate avec le karma négatif. Et si on est en karma bénéfique, il a vraiment une couleur de fumée toute normale, hein, toute basique. Oui, ça c'est des civils à sauver, mais vu que je suis méchant, je détruis les enclos. Voilà, ça donne du karma bénéfique, mais maléfique. Voilà, corps à corps avec le pouvoir de la fumée, c'est une chaîne. Corps à corps avec le néon, vous avez vu, c'est une épée. Une épée laser, voilà. Pareil avec le pouvoir de la vidéo. Super stylé ça. Pareil avec le pouvoir de la vidéo qui a une épée assez longue mais qui tape que 2 coups et qui est très très lente. Donc du coup ça nous permet pas de taper assez souvent au corps à corps avec ce pouvoir vu que c'est très très lent. Même s'il est très puissant. Il est utile surtout pour voler, pour se déplacer très très vite. Oui aussi il y a des caméras qui dès qu'elles nous repèrent indiquent la position de façon permanente à l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut les détruire sinon. On est un peu dans le caca. Vas-y, protège-toi avec ton merde, toi. Et si on les détruit pas, bon, on sera tout le temps harcelé par l'ennemi dans la zone où on se trouve là actuellement. Bon, tout est indiqué sur la carte, il n'y a rien de caché, et ça, c'est ce que je peux reprocher au jeu. Je trouve que les collectibles sont assez faciles.
à choper. Bah vas-y, mais tu vas mourir. Headshot ou pas? Non, tu veux pas le headshot. Bon bah tant pis. Hop, on va aller là-bas. On va essayer de pas mourir. Voilà, coup d'épée. Alors ils ont du béton sur eux et à la fin, on peut le l'absorber quand on détient le pouvoir de quand on détient le pouvoir du béton. Car c'est les seules sources d'énergie par rapport à ce pouvoir-là. Allez, vas-y, crève. Oh là là. Pour pas mourir, il faut que j'absorbe. Voilà. Même si c'est pas le même pouvoir. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, j'aurais pas dû prendre ce pouvoir parce que je vais être coincé à ce niveau-là. Va falloir que je grimpe. Mais va te faire voir, toi. Ah, ils ont une visée ultra précise sur Saint-Anne. Bah vas-y. Bah oui. Voilà. Va mourir. Ah, ils font que ça, c'est pas possible. Ouais, bah je vais devoir repartir pour aller chercher un autre pouvoir. Voilà, absorbe quand même un peu. Parce que là, avec ce pouvoir-là, je vais pas pouvoir atteindre le haut. Aïe, aïe, aïe. Punaise de punaise. Est-ce que je vais réussir à vous montrer au moins les activités sur la carte, même si je vous les fais pas toutes. Je vais récupérer un néon. Hein. Allez, file-moi un néon, file-moi un néon. Il y a un néon ici. Vite, allez, vite, hop. C'est magnifique comment c'est absorbé. Franchement, je suis bluffé par la beauté du jeu. Et encore, je pense que c'est vraiment le début de la PS4. Donc du coup, on n'est pas au bout de nos surprises, j'imagine. Allez, va crever, toi. Voilà, donc ça me propulse quand même pas mal. Et va chier. On peut, il y a plein de petites tactiques. De petits enchaînements de combinaisons qui sont vraiment pas mal à faire. Même si tous les pouvoirs, comme je vous disais, sont déverrouillés très rapidement. On en fait vite le tour. Mais c'est vrai que chaque pouvoir a un gameplay différent. Lui, par exemple, c'est très très rapide. Pouvoir de la fumée, c'est le pouvoir de base, c'est assez polyvalent, même si on ne va pas aussi vite que Colmagrass, hein, parce que Colmagrass avait quand même une rapidité surhumaine avec ses pouvoirs de foudre. D'ailleurs, par exemple, Colmagrass, vous verrez dans le jeu, il y a des magasins de télé où le nom du magasin c'est Colmagrass's et Colmagrass's Electronics, je crois. Un petit clin d'œil aux deux premiers épisodes. Que je trouve assez sympathique, même si c'est pas très utile. Mais bon, c'est pour montrer que c'est pour dans la suite directe hein, de Infamous. Voilà, donc voilà, j'ai détruit le poste de commande, le poste de contrôle de la zone. Donc j'ai toutes les missions secondaires qui sont déverrouillées, les fragments qui sont affichés sur la carte et un point de réapparition dans le quartier. Parce que si je mourais et je devais réapparaître, il est où le petit fragment là? Il est là. Voilà. Donc à chaque fois qu'on détruit un poste de contrôle, voilà, on a des fragments qui sont éparpillés un peu partout. Donc ça, c'est des fragments qui ont explosé suite à la destruction du poste de contrôle. Et sinon, tous les fragments, on les verra sur la carte maintenant. Et il y a tout qui est indiqué, le nombre de fragments sur la carte, vous allez le voir, voilà. Il m'en manque 10 dans la zone. Tout ça indiqué, qu'ils soient fixes ou mobiles dans les petits drones. Voilà, alors je vais vous montrer les activités. Je vais pas vous les faire, mais je vais vous expliquer. Ça, c'est récupération de documents audio. On a notre téléphone et puis on a un compteur métrique qui nous indique plus ou moins la distance où on se trouve avec le journal audio. Destruction de caméra cachée. Donc on va activer avec notre téléphone la vidéo caméra, vidéo de la caméra, et on va pouvoir situer et la détruire. C'est assez simple aussi. L'agent secret, c'est un civil déguisé, enfin un agent du DP déguisé en civil. Il faut le trouver dans la zone définie et le tuer. Donc on aura notre sa photo à gauche. Là c'est les tags. Et ça, les mains, ce sont des postes d'identification, des postes de passage qui détiennent des fragments. Donc c'est juste pour indiquer qu'il y a des fragments ici. Voilà. Donc là, ce sont des brouilleurs. Il faut détruire les antennes pour les faire apparaître, pour faire apparaître la zone entièrement. Voilà, donc toutes les zones se passent comme ça. Donc on peut tout faire. Voilà, dès qu'on commence le jeu, on peut carrément balayer toute la zone. Hein. De ça. Voilà, et dès qu'on balaye une zone entièrement, dès qu'on atteint moins de 30% de possession du quartier par le DUP, on débloque ça, qui est la confrontation. On va taguer un grand tableau
un grand tableau avec le tag qu'on aura choisi à partir de la troisième mission, il me semble, où il faut escalader la tour de transmission. Et on va appeler les services du DUP pour dire qu'il y a un méchant garçon qui tag des panneaux du DUP. Et donc du coup, on attire le DUP pour pouvoir détruire ses troupes et du coup réduire son contrôle sur le quartier. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire la dernière mission avant de vous quitter. Ouais, vous voyez, hop là, je m'enfuis, j'ai pas envie de me battre avec vous, les gars. Voilà, alors voilà, les missions aussi sont déverrouillées quasiment entièrement en avançant, pas besoin de faire des missions secondaires, sauf quelques-unes qui nous obligeront à faire quelques missions secondaires pour pouvoir avancer automatiquement dans le jeu. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un personnage mystère qui est en fait la personne qui va nous refiler notre troisième pouvoir, le pouvoir de la vidéo. On va rentrer dans un. C'est pas cette mission-là, mais on va rentrer dans un monde virtuel. Et il va se. Lui, dans le monde virtuel, il est le boss quasiment. C'est le patron, donc il est ultra puissant. Parce que dans la vraie vie, il est maltraité, donc du coup, il a décidé de se venger, voilà. Mais il est tout gentil, tout mignon, mais nous, on va pouvoir le corrompre, vu que moi, je suis du côté maléfique. On choisit de les corrompre et ils s'attaquent aux civils innocents et tout. Donc voilà. Je vous laisse écouter les voix. Pardon, comment t'as dit que tu t'appelais, déjà? Je suis Eugène. C'est moi aussi comme nom, je sais. Ma mère a chopé voilà, un Eugène. Dans un vieux western. C'était un cow-boy. Voilà, des petites phrases bien... qui font sourire. Voilà, donc... je dois aller là-bas, le rencontrer, même pas encore, je ne le rencontre pas encore, mais il m'a indiqué un endroit où aller. Faut savoir aussi que je suis bien niveau max au karma et j'ai pas énormément avancé dans le jeu. Hein. J'ai juste déverrouillé la deuxième île. Et le karma, c'est vraiment facile de l'augmenter en faisant vraiment plein d'actions. Je trouve plus facile de l'améliorer en karma négatif puisqu'on peut taper tout le monde. T'as mis ça en dessous. Je me disais que le plus simple dans ce cas, ce serait de faire un peu tomber la route. Du genre, retirer le tapis sous les pieds. Tu pourrais pas l'exploser? Non. Voilà, je vais casser le pont et bloquer des troupes du DUP. Donc, faut que je casse les poutres. Blocage routier instantané. À ce qu'ils soient bloqués pour pouvoir les provoquer. Tu vois, c'est exactement pour ça que je suis fan. Allez. J'aimerais vraiment être là pour voir ça. Bah, viens regarder. Mais bon, à une distance raisonnable, quand même. C'est vraiment un fan. Comme moi, au boulot, les mortels dans ton genre sont priés de s'écarter. Voilà, on va détruire les petites poutres, allez, c'est parti. Désolé, je parle pas beaucoup hein, dans des missions comme ça, j'ai envie que vous appréciez autant que moi. Même si je l'ai fait en déjà le jeu, j'adore vraiment ce jeu, c'est un très très bon jeu. Franchement, de toute façon, vous le voyez sur internet, ses notes oscillent entre 16 et 18 sur 20. Donc c'est vraiment de très très bonnes notes. Une durée de vie entre, je dirais, 10 et 12 heures pour l'histoire principale. Le double quand on fait l'autre côté de Karma. Allez, c'est parti, ça va tomber. Les chargements, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas plus mal, ils sont pas très très longs aussi. Il n'y en a que quand on meurt, que quand voilà, il y a des changements de temps aussi. Le temps, les systèmes climatiques qui est magnifique. Bon, il n'est pas en temps réel, hein. Il augmentera en fonction de comment on avance dans l'émission. Donc là, vous voyez, il y a de la fée de la brume et tout. Et avant, il faisait un peu nuit avec. C'était le coucher de soleil, quoi. Voilà, c'était le crépuscule. Donc voilà, j'ai attaqué un convoi du DUP. Eugène, donne-moi des infos. Je cherche quoi, et là, je dois. Je ne sais plus ce que je dois faire, j'ai pas vu. Ah ouais, faut que je libère des prisonniers. D'accord. Wow, c'était quoi? Les hélicos? Sacré paquet d'hélicos. Bah oui, bien sûr. Je crois pas qu'ils puissent me voir avec ce brouillard. Allez, boum. Je vais quand même pas mourir. Allez. Faut savoir qu'avec ce pouvoir là, quand on est en karma bénéfique, le zoom ralentit. Et c'est très très utile pour viser les points faibles de l'ennemi. Voilà, donc là, c'est pour être méchant, quand on est méchant, c'est la tête. Et quand on est gentil, on vise les pieds, on le paralyse. Donc ça met un peu plus de temps. Mais voilà, lui il m'énerve, lui c'est vraiment. Ah bah voilà, ils sont tous morts, boum! Allez! Allez,
Relâchez juste les prisonniers et promis, je vous fiche la paix. Alors j'adore ce pouvoir, il est très joli, je vais vous montrer l'attaque spéciale. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Très très joli. Bon, un petit peu de baisse de framerate, parce qu'il y avait beaucoup d'effets, mais sinon, à la base, le jeu est très fluide. Voilà, j'adore ce pouvoir, il est vraiment beau. Voilà, j'ai tué je sais pas combien de gens. Bah oui, hein, les gars, ça sert à rien. Hein. Ah oui, il faut que je fouille les bus. Donc la mission dure ouais, un petit moment quand même. Je me souviens de cette mission, d'accord. Boum, t'es mort, allez. Voilà. Vous êtes morts, les gars? Non, c'est bon, pas encore. Oui, ils nous balancent des grenades qui sont horribles. Ils ont... Je trouve qu'on est des fois un peu trop désavantagé comparé à l'ennemi sur certains trucs, alors qu'on est censé avoir plus de pouvoir qu'eux, parce qu'eux, ce sont de simples... personnes, de simples gars qui ont qui sont des porteurs, mais qui ont eu juste été... comment dire? Ils ont juste récupéré un peu de pouvoir d'Augustine, la grande méchante. Voilà. Et ils sont tout bidons, à la base. Donc, fouiller les bus. Ah oui, mais fouiller les bus... C'est le premier, j'imagine. Non, c'est pas le premier, c'est le dernier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Donc voilà, l'hélicoptère a été descendu par Eugène. Qui, son attaque spéciale, ce sont des épées Eugène, les bus sont passés en forme de vidéo. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça, c'est des effets un peu... Je sais pas où ils sont partis. Voilà, c'est comme ça. Ça sort vraiment quasiment, c'est vraiment de la vidéo, ça sort des télés, c'est électronique quoi. Clairement, voilà. Il a détruit un hélicoptère avec ça. Et ça c'est son attaque spéciale, c'est les missiles équivalent à ce que je fais avec la touche R1, attaque puissante. Voilà, donc... Ah oui, t'as un tracker, allez vas-y, amène-moi là-bas. Bon, désolé, la mission va être un peu longue, c'est pas la plus passionnante. Mais vous voyez quand même que les effets hein, du brouillard et sont quand même assez jolis. Réception trop faible, allez plus haut. D'accord. C'est génial. Oh, j'adore qu'il absorbe, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Je suis bluffé par certains effets du jeu, hein, c'est vraiment magnifique. Ah mais allez, par là c'est mieux. Allez, on y va. Donc là on a une sorte de... c'est une reproduction de Seattle. Hein. Bon c'est pas une véritable... la véritable ville. Oui, tu vois pas? Ah c'est là-bas. C'est là-bas. Allez go! Oui il faut que je remonte. Et c'est reparti. Voilà donc des fois il y a des missions comme ça qui sont un peu... un peu chiante, mais on trouve vite nos marques et franchement ce jeu, si vous avez la PS4, c'est l'un des premiers jeux à posséder hein, sur PS4 clairement. Oula, pourquoi je suis allé au plein milieu moi? Je suis complètement fou, j'aurais dû faire une attaque tombée. Bon, on va remonter, hein, on va faire ça joli. Et ce pouvoir est quand même super stylé parce qu'il laisse derrière nous une traînée qui est vraiment jolie. Et il faut savoir qu'en expert, on voit pas les ennemis sur la map. Hein. Vraiment très rarement. Doublette ou pas? Ah bah non, pas doublette. On voit pas les ennemis sur la carte, sauf à certains moments quand c'est des confrontations. Ce sont les ennemis, ils nous indiquent les ennemis à tuer pour pouvoir terminer la confrontation. Et tu vas crever? Ah, il va pas crever. Oulala. Oulala. J'ai bobo. Aidez-moi. Aïe aïe aïe. Voilà, récupère le néon qui nous soigne entièrement. Badaboum, ça sert à rien. Bah, je vais vous tous vous tuer, j'ai encore mon super pouvoir, les gars. Allez. Il est magnifique ce pouvoir. Même si le premier est très stylé, celui-là. J'espère que ça a marché quand même. Ah bah oui, ça a pété. Voilà. Allez, ciao, bye bye. On fouille le bus.
Ah, j'en suis déjà à 35 minutes, les amis. Bon, j'ai plein d'autres à vous dire, hein, mais je voulais quand même vous faire au moins une petite mission. Désolé, vieux, j'ai d'autres plans. Bon, voilà, ça, ce sont les soldats d'élite du DUP. Ce sont les plus puissants, hein, donc ils sont assez chiants. Voilà, parce qu'ils nous balancent des merdes de cailloux. Et il y en a trois. Bah, vas-y, fonce-moi dessus, c'est pas grave. J'aurais dû garder le pouvoir pour ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais faire un epic fail? Allez! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Lâchez-moi, mes amis! Voilà, un de moins. Oh là là, je l'ai loupé. Faut savoir qu'il faut 3 missiles pour les dégommer. Voilà. Aïe aïe aïe. Il est où? Oh, raté comme une merde. Elle a loupé avec tes cailloux là. Allez, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il me fonce dessus. Saloperie, va. Bon. On va donner un peu de fumée. Je vais te dégommer avec quelques missiles. T'es où? Eugène, allez, monte ta bus, face. Boum, t'es mort. J'ai vu 3 sur la passerelle, voilà. Donc il en reste au moins 2 dans les parages. Donc voilà, bon, je pense pas que je vais vous finir la vidéo, je vais m'arrêter là, les amis. Pour moi, c'est un très très bon jeu. Mon verdict, moi, ce serait 17 voire 18 sur 20. Parce que malgré le fait que le jeu soit plus facile que les deux premiers, il y a une bonne rejouabilité. Il y a deux, on va pas dire que c'est deux fins quasiment, mais jouer les côtés différents de Karma, ça fait changer le gameplay, ça change un peu l'histoire aussi. Et franchement, c'est très très simple. Moi, j'ai bien aimé. Le jeu est facilement platinable. Là, je finis la partie méchante et j'ai platiné le jeu. Hein. Donc, il y a des petits trophées simples avec des petites actions à réaliser de façon assez précise. Passer dans deux tuyaux et faire une sans toucher le sol et faire une pluie de fumée, par exemple. Ou voler pendant 45 secondes, qui est très simple aussi à faire. Donc voilà, c'est. Le jeu pour les platineurs, c'est pas une cible très difficile. Mais je vous le conseille à tous, hein, tous ceux qui possèdent la PS4 et qui n'ont pas encore acheté ce jeu, achetez-le, c'est le premier bon jeu next-gen avec Killzone à faire impérativement sur PS4. Après, il y aura peut-être un deuxième Infamous, je pense, sur la PS4, comme ils avaient fait sur PS3, mais pour moi, c'est un très très bon jeu. Donc voilà, mes amis, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer, à faire partager, comme toujours. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour un prochain test avec One2, je pense. Je ne sais pas sur quoi. Aussi, on vous parlera de la semaine des tests rétro. Je ne sais pas quand on vous fera ça, mais ce sera sûrement pendant la période de vacances de juin. Donc voilà, donc je vous fais des bisous les amis, amusez-vous bien, et puis à très 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 bientôt, des poutous!